Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end. On va continuer notre petite aventure. Et en parlant d'aventure, aujourd'hui on va pas bouger. On va faire de la pêche. J'en avais parlé de la pêche, donc faut pas que j'oublie des choses. Donc on va prendre ça, un bacule. J'avais parlé que je voulais faire un peu de pêche. Parce que je sais pas, je voulais le montrer un peu. On va faire des leurres. J'en ai un sur moi, mais on va faire un leurre. Un deuxième leurre, câble, plume. Qu'est-ce qui est facile à faire? Genre un truc qu'on n'utilise pas vraiment pour autre chose. Douille de revolver? Non, on n'a pas de pistolet. Après, on a du métal simple. Plume et douille, on va faire ça. Je crois que j'ai douille. Douille, j'ai dois avoir. Oui, j'ai douille. Ok, ça marche. On va faire ça. Donc, ouais, dans cet épisode, on va faire ça. Et du coup, on va pas faire grand-chose. On va pas partir. Mais vu que j'avais parlé de la pêche la dernière fois, je me suis dit, tiens. On va quand même faire un épisode de pêche, donc je vais pas en faire un épisode genre supplémentaire, je vais juste faire un épisode donc de la survie du week-end quoi. Qu'est-ce qui me manque? Ferraille, pardon. Merde. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore des choses à jeter. Ça, j'ai aussi tué un loup. Il me faut de la ferraille. J'en ai de la ferraille, yes. Donc ouais, je voulais faire un épisode en fait pour vous montrer. Donc je vais vous faire un résumé de l'épisode. En gros l'épisode ça va jouer comme ça. Je vais vous montrer que c'est nul. Je vais dire qu'on prend pas de points pour le temps qu'on met. Et on prend pas de poisson, quasiment rien. Et du coup je vais vous dire que c'est nul. Et après on va arrêter l'épisode. En gros ça va être ça. Ça va être ça. Donc ça va être sympathique. Donc j'ai refait un peu mes réserves, donc on a un peu de café et tout ça. J'ai pris un café supplémentaire si jamais on doit l'utiliser pour la pêche. Ça, on va le mettre là. Ça, c'est les choses que j'utilise pour quand on part en vacances. Enfin, non, ça veut rien dire. Pas quand on part en vacances, quand on part en exploration. Donc, je vais les laisser là, comme ça. On a pris ça. Donc, ouais, j'ai pris du café un peu supplémentaire, parce que normalement, c'est 3 la limite que je me mets. Là j'ai refait un peu aussi. 5, je suis allé récupérer des barbes de Jupiter au cas où aussi. Faudrait que j'en récupère encore plus parce que j'en ai pas assez. J'en ai pas de côté maintenant. J'en ai plus du tout de côté. Comment on fait ça les bacules? Comment on les fait ça? Parce que je suis sûr qu'il va casser le nôtre. Je sais pas comment ça se fait. Ferraille et 2 bâtons. Ah ça va. Ça va. Non c'est là je crois. Ferraille. Faut que j'aille récupérer des ferrailles. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. C'est récupérer absolument des ferrailles, en fait. Alors, on a un très beau temps, aussi. Donc, j'espère que le temps que j'aille là-bas, il fera toujours lumière. Comme ça, je peux utiliser la lampe. Pas du tout. Comme ça, je peux utiliser... Comme ça, je peux utiliser la loupe. Ah, ça c'est bien ce... Genre mon cerveau il va à puissance... Il va à la vitesse 200%, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai cru que c'était de la farine dans la cuisine, ça devait pas être de la farine au final. Donc on a ça, il n'y a pas besoin de nourriture parce qu'on va manger du poisson s'il faut. Ah, un truc qu'on pourrait faire c'est... ça, c'est récupérer un des jerrycans pour le remplir. Ça aussi, on pourrait le faire. Si jamais on cuit le poisson là-bas, on pourrait le faire après. Mais bon, je pense pas qu'on va cuire le poisson. On va le ramener ici, en fait, le poisson. C'est le mieux. Ce très très bon système de récupérer les objets un par un quand t'as des stacks de fou. Encore une fois, hein, si vous êtes dans les modes, je conseille de prendre un des modes de... C'est pour stacker les objets, c'est super bien. Moi je l'utilise pas parce que voilà quoi. Série et tout ça. Alors là on est bon. Là on est bon. On a Bacule. On a Appa Appa. Ok. Alors ça normalement je peux pas l'utiliser. Je vais juste les prendre juste au cas où. Mais on m'avait dit qu'on peut plus l'utiliser. Ok. Je peux prendre... Ouais mais je sais pas quel poisson j'ai besoin. Je me rappelle plus. Donc on va avancer. Je me rappelle plus de quel poisson j'ai besoin en fait pour faire tel ou tel, vous savez, repas. Donc je préfère tous les garder pour le moment. Je crois qu'il y en a un qui est très très commun, qu'on récupère très très souvent, facilement. Et après il y en a d'autres, genre arc-en-ciel, ça c'est pour, je crois, pour des repas ou des choses comme ça. Donc ouais. Ça c'était un trou que j'avais fait, c'était le trou le plus proche en fait de la maison que je peux faire. Je vois pas pourquoi on peut pas le faire sur la rive, mais bon, c'est pas grave. Ah, on va dire qu'après c'est pas assez profond, peut-être, il n'y a pas le poisson. Alors on a du vent, c'est bien, mais on a du soleil. On a... Ça c'est le loup que j'ai tué, donc on va prendre ça, on va peut-être le faire cuire au pire. On va se bouger les fesses pour faire le feu parce que je sens qu'il y a un nuage qui va passer, genre juste avant que je mette le feu, ça va me caver. Okay, go. Parfait. Parce que les rayons du soleil en fait passent à travers la charpente et ça permet de faire du feu et à travers le métal aussi. Mais si vous n'avez pas de degré dans l'astrophysique, vous ne comprenez pas comment ça marche. Donc, voilà, vous inquiétez pas, ça marche. It just work. Comme un bon vieux ami dit. Okay, très bien, là on devrait avoir un... 25 degrés je pense. Alors ça... Alors déjà on va faire... J'ai quoi sur moi? J'ai ça sur moi. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pu prendre un... 21 minutes. Ouais, j'aurais pu prendre un faitout en fait. Ouais, 30 degrés même. J'ai voulu dire 30 mais j'ai dit 25 mais en fait j'avais... Ouais, mais toujours mettre des bouts de bois avant. Toujours mettre des bouts de bois, ça permet de bien augmenter le feu. La chaleur du feu en fait, la puissance du feu, ça c'est cool. Là on peut faire avancer un train quoi, c'est fou. Ah, à vapeur bien sûr. Voilà, parfait, au potable, nickel. Alors, donc ça marche, donc maintenant je voudrais faire un trou. Comment on fait? C'est là? C'est là. Alors, on va faire un trou, genre juste là. Alors, c'est pas... conseiller de faire des trous proches. Alors je crois que c'est de la compte. Je suis plus trop sûr. Je crois que c'est de la compte à la proximité. Okay, très bien. On va boire. Okay, au potable, très bien. Ah oui, c'est vrai que ça marche pas. Alors, ça, on met ça avec celui-là, avec le gland. On n'a pas de l'appât, donc on peut pas le faire, ça c'est super. Et là, on va pêcher. Ouais, donc les appâts, ils sont morts. Les appâts sont vraiment morts. On peut les jeter. C'est trop, trop bien. Bah voilà, du coup, on va faire ça. On commence à pêcher. Non! Non, non, non. Avec ça. Attends, ah ça m'a utilisé le fil. Ça m'a utilisé, ok d'accord ça marche, ça marche. Ça m'a utilisé mon câble quand j'ai fait le bacu, j'avais pas fait attention. Il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir un bon rendu poisson. En gros ce qui va se passer c'est ça. Et on va essayer de pêcher d'un côté et l'autre on le fait par le bacu. Pour, je vais voir, une heure. On va essayer de le faire par comme ça, par double en fait. Ok, déjà une bonne heure perdue, ça fait du plaisir. On met ça, cuire. Non. Très bien. Est-ce que je peux faire 2 heures? On pêche pendant 2 heures. Ok, un poisson, le grand corégone. Je sais pas... Je sais pas ce que c'est. Ok, très bien. Donc on peut pas faire 2 heures. Là, là, y a rien qui bouge. Le grand corégone. C'est quoi ça? C'est bien 2 kilos. Poisson d'eau douce, commun, petit mais très répandu. D'accord, ok. Ok, c'est bien la pêche ou vous en pensez quoi de la pêche? Est-ce que vous voulez plus d'épisodes comme ça, juste la pêche? Juste de pêche. Genre rien d'autre, juste pêche. Alors, comment... Alors, le poisson, il est ça... Oh, oh, oh mon dieu, il faut à chaque fois recasser la glace. Ça, c'est extrêmement chiant, c'est consistant. Ok, très bien. Alors, attends. On a eu ça. Très mal les eaux polluées, le poisson d'eau douce, bonne taille. Okay. 1200, il fait 4 kilos, pas mal. Alors celui-là, je voudrais recycler x6, 30 minutes. Très bien. Ok, on mange ça. Ah, c'est compliqué, il faut faire plein... Là, on fait plein de trucs en même temps et tout, c'est chaud. Là, j'avoue que c'est un peu chaud. Alors, non, bascule. Avec ça, avec appât. Ok, let's go. Maintenant, on va faire de l'eau. Je sais pas si ça marche, de l'eau pendant 2 heures, mais bon, on va voir. Hop, hop. Avec quoi vous cassez la glace? Moi, j'ai tendance à utiliser le pied de biche, parce que... mais le pied de biche, on peut pas le réparer. C'est un peu le truc. Mais le pied de biche, on l'utilise pas énormément non plus. Mais on peut pas le réparer, ça c'est le problème. Ok, donc on a strictement rien eu, ça fait plaisir. Et on a perdu notre eau. Donc on peut pas faire 2 heures, ça marche. Allô? Pourquoi tu veux pas... Bon, on va le mettre là. Oh! Ouh! Alors, fais voir un peu. On a eu un grand corrigone frais. Ok, ça marche. On va faire celui-là. Très bien. Maintenant, on va... Alors, attendez, il faut peut-être qu'on mange. On va peut-être boire un café pour rester éveillé. Alors, pêche 2 heures, ça, ça. Je crois qu'à chaque fois on perd l'appât. Je sais plus comment ça marche. Ok, 1. Ah, c'est joli. On gagne quasiment rien, c'est affolant. C'est vraiment affolant quand même. C'est assez affolant de rien gagner comme ça, d'avoir très peu de prises. Et je suis niveau 3 je crois. Oh mon dieu, c'est quoi ça? T'es moche! La quêche aux yeux d'or. Petit poisson d'eau douce qui mange à peu près tout ce qui est capable d'avaler. C'est la première fois que j'en ai un comme ça. Waouh. On dirait qu'il a été dessiné par un enfant de 4 ans. Waouh, c'est moche. Mais ils ont perdu des gens quand ils ont... Genre des gens qui... Font... Parce que celui-là, il est ça va, à la limite, le design. Mais celui-là... C'est chaud quoi. C'est moche. Je suis désolé mais je veux pas être méchant mais... Moche quand même. Alors bref. Continue. Alors fais voir un peu les calories. On est à... Ouais ça va. Hop. Ah ah. C'était quoi ce bruit extra là? Ok. On est à 3h40. Il fait froid donc du coup ça dure très longtemps. Ah, j'ai plus d'appât. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Alors, bouche frais, j'ai récupéré le corrigone encore. Le corrigone... Ouais, le corrigone, c'est le plus répandu. Ça marche. Ça fait quand même cher. Hein. Ça fait quand même cher. Hein. 30 minutes pour 6 appâts. 4 heures, ça va. Très bien, on va... On est un peu fatigué, mais ça devrait aller. Non, je vais pas le mettre par terre, parce que sinon ça va brûler. Non, très bien. Alors on va refaire 2 heures. C'est parti. On va regarder après la compétence. Okay. Mais honnêtement, en 2 heures, on devrait tout le temps au moins avoir un poisson. Je vais être franc, on devrait tout le temps avoir un poisson. On va faire 1 heure pour récupérer de l'eau. C'est incroyable. 15 minutes. Wow. Ok, très bien, on a quoi? On a encore 2h40, ça va. Alors, fais voir un peu la compétence. Voir où on est. Ça me fait un peu pitié. Pêche sur la glace, yay! C'est nul, c'est atrocement nul. Après, on peut dire que c'est mieux qu'avant, je suis d'accord, mais ça reste quand même très bas le taux de temps versus le taux de poisson qu'on récupère en fait. Attendez, parce qu'on a un poisson de bois. On est encore à 1 heure. Je pense qu'on va passer la tempête. Après, le fait de pêcher ici et d'avoir ça et là, est-ce que ça va... La ligne a cassé. Trop bien. Trop bien. Du coup, j'ai perdu mon hameçon. Alors, est-ce que le fait d'avoir ça ici et je pêche ici, est-ce que, du coup, les deux font en sorte que je récupère moins de choses? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va faire ça. Je voudrais durer le temps de la tempête en fait. Hop. Attends, on a combien là? 1h17, ah ça devrait aller. Voilà, ça s'est calmé. Strictement rien. Super. Bon, bah voilà. Voilà. Bah du coup, c'était bien nul. Bah, j'en sais rien si c'est nul ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On a récupéré ça. On en a utilisé 2. On a utilisé 2 pour faire des appâts. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un peu nul. Mais bon. On va ramener ça. Mais si tu peux. On va ramener ça. On va... Je pense qu'on va dormir et on va encore pêcher. Ça nous fera un petit tas de poissons, je pense. Je pense qu'on peut faire ça. J'avais envie de faire ça, donc voilà. C'est un peu pour vous montrer la pêche. Après, qu'est-ce que je peux conseiller pour la pêche? Honnêtement, la faites pas. Si vous voulez vivre de pêche, non. Attendez d'être niveau 4-5 avec des livres, honnêtement. Et encore, je sais même pas si c'est vraiment... Parce qu'en fait, vivre de la pêche, c'est pas possible. Parce que déjà les poissons, ils sont très lourds. Et en plus, quand vous les faites cuire, après, ils réduisent en calories. Et le truc, c'est que vous pouvez pas du coup vous déplacer avec des poissons. C'est le pire que ce que vous pouvez faire, c'est de vous déplacer avec des poissons. Pour les calories, faut vraiment surtout pas faire ça. Et après... Après, c'est trop aléatoire. Mais par contre, oui, ça donne, quand vous les faites cuire, ça donne du fuel. Et c'est vraiment le seul moyen où vous pouvez récupérer ça. Moi, ce que je voudrais faire, c'est, parce que j'ai 4 jerrycans, et bien sûr, on ne peut pas transvaser en fait le fuel de l'un à l'autre. Ce que je voudrais en faire, en fait, c'est avoir un jerrycan qui soit complètement plein. Je crois que c'est 4 litres le maximum. J'en voudrais vraiment 1 à 4 litres, en fait. Comme ça, je serai prêt pour le DLC, enfin la partie 4, si jamais elle sort un jour. Donc ça, j'aimerais bien faire ça, en fait. J'aimerais vraiment faire ça. Donc ouais. Ah, par contre, là, on va donner un poisson. Alors, tac, tac. Le poisson bizarre, là. Poisson un peu bizarre. Par contre, je crois que j'ai pas de calories extra. J'ai tout mangé. Ah ouais, merde. J'ai un peu merdé, là, par contre. Ça on peut le jeter, on va le jeter. Ça on va tout jeter, on va faire ça, ouvrir. Alors pam 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 pam, on va tout virer. Et ah, ce bruit de pierre là. Mais ouais, j'ai pas de calories. Je crois que je vais devoir faire un feu. Ou alors je reprends du bois. Et on va dormir là-bas, comme ça, on fait un feu à un seul endroit, pas à plusieurs endroits, vous voyez ce que je veux dire? On peut peut-être faire ça à la place. Attendez que je pète pas un câble. Ok, j'ai dû faire une petite pause, on est reparti. Donc qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait dormir, je pense. Et il y a ça potentiellement à faire cuire. On va voir combien de temps on peut dormir avec nos calories là. On va voir un peu ça. Alors ça... on peut... À la limite, je peux prendre des trucs comme ça. Ah, c'est embêtant. Ça, c'est le problème. Hein. Ça, c'est la trappe bête. Où vous n'avez pas fait de choses à manger en avance, en fait. Donc voilà, du coup on a des problèmes. On va prendre ce Reishi, c'est ça. Ouais. Le Reishi, j'en ai plein. C'est surtout pour les calories en fait. Après je pourrais manger des massettes et tout ça, mais j'ai pas vraiment envie. On est à 400. On peut dormir 3 heures. On va dormir 3 heures. Comme ça, on se remet un peu d'aplomb, on récupère du bois et on retourne et on va refaire de la pêche. On va dormir là-bas, potentiellement. Ok, très bien. Je sais que ça n'a pas trop de sens de faire ça, mais... Ça permet de pas faire d'autres feux, en fait. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est... Ah oui, j'ai... Ok, on est à 38. Ok, très bien. On récupère encore du bois et on va repêcher. Très bien. Petit bois. 44. Vous pensez qu'on peut refaire un feu ? À la limite, on fait le feu là-bas. J'ai mon sac de couchage sur moi. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire le feu. On dort un peu. Et on repêche, tout simplement. Je pense qu'on va faire ça. Et on va voir un peu ce qu'on peut récupérer. Par contre, il me reste plus qu'un appât. C'est un peu bête. Par contre, mes calories, là, faut pas que ça descende en dessous de... Faut pas que ça arrive à zéro. C'est bien parce qu'il fait pas très mauvais en fait quand vous avez eu des tempêtes. Ah, il y a un... Ah non, je crois que c'est un rocher. Quand vous avez eu des tempêtes, il fait pas très froid après, c'est bien. Là, on arrive proche du zéro. Alors, j'ai envie de faire... Parce que du café, j'en ai plein. Très bien. Parfait. Bon bah ça va, on est resté tellement longtemps dehors à pêcher en fait. Je crois qu'on est resté quasiment 48 heures en fait, au final. Come on, little fire. Je pense. En tout cas, plus de 24 heures, ça c'est sûr. Oh yeah. That's a good one. Alors, très bien. Qu'est-ce que... Pourquoi on voit rien? Oh, merci. C'est quoi ce bug? C'est nouveau? Tada! Parfait. Du coup, on va faire que ce trou là, je pense. On va voir un peu s'il y a une différence ou pas. Et dans 21 minutes. Parfait. Voilà. Et on est reparti. Ouh, c'est quoi ça? C'est la première fois que je vois, je crois. Poisson d'eau douce qui préfère rester loin de la surface, il peut atteindre une taille impressionnante. Ah, j'avoue, j'avais, je pense, jamais vu ça. Ouais. Ouais, je pends l'autre fraîche crue. Ouais, ça va, c'est sympa. C'est sympathique. On va faire ça. Il a combien le... 82%, ça va. On va refaire une heure. Elle va être fatiguée, faudrait qu'on dorme, mais bon. Oh non, sérieux, rien. Je crois que j'ai entendu un truc dehors. Oh, c'est bizarre. Alors, très bien. Parfait, fais voir, elle est vraiment fatiguée? Ouais, ça va aller. 4 heures, très bien, on a encore de l'eau. Est-ce que c'est un peu du gâchis de faire de la pêche? C'est un peu du gâchis de ressources quand même. Par exemple là, on a utilisé beaucoup de bois, bon c'est pas trop grave parce que j'en ai beaucoup, mais vous voyez que là on passe des heures et des heures à... Genre à rien récupérer quoi. Trop de pêche de glace vidée, d'accord. Je sais pas, j'ai envie de tester celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le... Dernière tasse de café. Même si ça sert à rien de le faire chauffer. Je sais pas, je teste un autre trou. Ok. Ok. Du coup, quand ça dit trou de pêche sur classe vidée, ça veut dire qu'il est vidé ou... Il faut partir, genre, c'est ça? On va prendre ça avec nous. Il fait combien le machin? Il fait 6 kilos. Okay. Est-ce qu'on part ou pas? Est-ce qu'on arrête là ou pas? Ou je continue encore un peu? J'ai envie de continuer encore un peu. Moi. Je pense pas qu'il y ait une limite, honnêtement. Le nombre de poissons qu'on peut récupérer, je pense pas. Je suis pas sûr. J'avoue que ça, c'est quelque chose que je suis pas certain. Bah voilà, vous voyez que... On peut récupérer des trucs encore. Bon, très bien. Ça... Torche. Et on y va. On va partir. Bah voilà. Tiens, on voit. Voilà. Est-ce que ça valait le coup? Eh. Plus ou moins. Je sais pas trop. Ça dépend de comment vous le voyez. Ça dépend un peu de comment vous le voyez. Si vous avez vraiment absolument besoin de poissons, ça valait le coup, on va dire. Mais sinon, bof. Après, à la limite, on n'a pas trop... Genre, on n'a pas utilisé de... d'allumettes, par exemple. Par contre, j'ai utilisé du café, ce qui est un peu embêtant. Mais j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup de côté. Donc, c'est pas très, très grave pour moi. La plupart du temps, les choses comme ça, je les garde tellement qu'au final, je les utilise jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant les utiliser. Puis je crois que j'ai encore des cafés qui sont encore à 100 de calories, genre qu'on a fait avant de monter en cuisine, tellement que je les ai gardés de côté. Mais après j'ai au moins, je sais pas, 5 boîtes. Donc ouais, ça va quoi. Bon, on va pouvoir dormir. Et je crois que ça va être la fin du coup de notre épisode. Alors il était peut-être pas très très long l'épisode, mais je voulais montrer un peu la pêche. Qui n'a pas vraiment trop évolué. Il y a plus de poissons, oui. Mais c'est quand même très très, j'ai envie de dire, embêtant pour faire. Même si on utilise les bacules et tout ça, là, c'est très très embêtant à faire. Celui-là, là. Et le joli poisson, là. Très bien. Et après, j'ai encore de l'arc-en-ciel. On n'en a pas eu de l'arc-en-ciel, tiens. On n'en a eu aucun. On a eu que du... On a eu 3 sortes, je crois. Le moche, là, fait par un enfant de 3 ans. On a eu le grand, qu'on vient de récupérer. Et après, le commun. Donc ouais, ça... C'était pas trop... C'était pas extrêmement bien. On a encore ça, mais bon, ça va pourrir, donc on pourrait limite les jeter. On a un leurre de pêche. Le leurre, on pourrait peut-être le garder sur nous, en fait, parce que c'est pas lourd du tout, donc autant le garder sur nous. Faudrait que je refasse du café. Mais ouais. Ouais, l'arc-en-ciel, pour ça, là, ça c'est bien, ça c'est vachement bien. Faudrait que j'en fasse. J'essaierai de faire un peu plus de nourriture quand j'aurai l'occasion. Ouais, on a bu. Ok, on va s'arrêter là en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Parlez-moi un peu de la pêche si ça vous chante. Dites-moi ce que vous faites pour optimiser votre pêche au maximum. Au final, on n'a quasiment rien augmenté. Hein. On est d'accord. Hein. On a quasiment rien augmenté. Ça a pris beaucoup de temps, ça coûte des ressources aussi de faire de la pêche, c'est ça qui est un peu embêtant. Dites-moi si vous avez un meilleur endroit pour faire de la pêche, genre un truc où on n'a pas besoin de faire du feu par exemple, un endroit où vous n'avez pas besoin de faire du feu pour vous tenir chaud et tout ça, ça peut être pas mal. Au final on n'a pas eu besoin de dormir aussi avec le sac de couchage, donc ça va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.